Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté une vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. C'est une vidéo un peu particulière parce qu'il n'y aura pas de couture. C'est une vidéo plutôt pour parler de pourquoi est-ce que j'ai pas posté de vidéo et de mes plans là pour cette année et tout ça, comme ça. Comme ça, bah, je vous dis, comme ça, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes nouveau, je me présente. Donc moi, c'est Maya. Je fais de la couture et j'essaye d'encourager les gens à consommer de la mode, mais de façon éco-responsable, donc du seconde main, du vintage, pas de fast fashion, enfin voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Donc déjà, la dernière vidéo que j'ai postée, il me semble que c'était sur les vlogs du pop-up store. J'allais poster la dernière, celle où je raconte comment ça s'est passé, etc. Mais je me suis fait voler mon téléphone au début du mois de juillet et j'ai perdu, du coup, parce que je filme sur mon téléphone, j'ai perdu toutes mes vidéos et tout ça. Enfin, il m'en reste quelques-unes que j'avais mis sur mon ordinateur, mais j'ai perdu la plupart. Et du coup, bah voilà quoi, j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais prévu de poster en juillet. Et après, j'étais partie en vacances avec ma famille, donc j'en ai pas fait d'autres. Je me suis dit que j'allais faire les vacances avec ma famille. Et voilà, du coup, j'ai pas posté. Là, c'est la rentrée, je suis rentrée à Paris. J'ai déjà prévu des vidéos, mais je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Donc, déjà, voilà, donc j'ai pas posté. Du coup, pour ceux qui ont suivi les épisodes Pop-Up Store, vous savez pas comment ça s'est passé. Donc je vais vous raconter maintenant. C'était génial, c'était une super première expérience. Vraiment, j'ai pu apprendre plein de trucs. Donc ça s'est passé ça a duré 3 jours avec une soirée où on avait invité plein d'amis et tout ça. C'était trop bien. Si jamais s'il y a des nouveaux qui ne savent pas ce qui s'était passé, vous pouvez aller voir les deux autres vidéos, c'est mes dernières vidéos sur ma chaîne. Mais sinon, en fait, juste j'ai fait une collection de vêtements upcyclés à partir de très grandes chemises, de draps, etc. Pour l'été, c'était vraiment en petite quantité. C'était plus pour montrer à mes proches ce que je fais, etc. Mais il y a quand même des gens que je ne connaissais pas qui sont passés, qui ont acheté. Donc voilà, donc c'était super. J'ai fait ça dans la boutique. C'était une boutique éphémère qu'avait ma sœur, une boutique de CBD et de tisane. Tisane que je vais boire là d'ailleurs, qu'elle m'a fait spécialement pour moi. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de sa boutique dans la barre d'infos. Donc c'était vraiment génial. Je vais vous mettre des images de la soirée et tout ça. Super, voilà. Et du coup, mes proches ont acheté des ensembles chemises shorts que j'ai fait inspiration Marlène Rougier. Donc ça, c'était super. En plus, ça m'a permis en fait d'apprendre pas tellement des nouvelles techniques, mais de faire des vêtements à d'autres tailles. Du coup, parce que j'ai dû proposer plusieurs tailles. Donc c'était vraiment super comme expérience. Et puis aussi, j'ai pu voir tout ce qu'il faut pas faire, tout ce qu'il faut faire. Et je pense que la prochaine fois que j'en ferai un, il sera plus structuré et tout ça. Je m'y prendrai plus à l'avance. Mais là aussi, j'ai terminé les cours et j'ai un peu enchaîné avec. Et je travaillais aussi tous les soirs au resto de mon frère. Du coup, j'ai pas eu énormément de temps. Mais je pense que pour le temps que j'avais, j'ai fait un truc bien. Et j'ai fait aussi des petits bobs, j'ai fait du tie and dye. Enfin voilà, donc je vais vous mettre plein d'images de ce que j'ai fait. Il y a quelques invendus que je vais mettre sûrement sur Depop. Je vais créer une boutique en ligne et comme ça, si jamais vous voulez aller voir et aller acheter ce qui n'a pas été vendu. Je pense que je vais continuer à faire ça tout au long de l'année, à mettre des trucs au fur et à mesure selon les saisons et tout ça. Donc je vous mettrai le lien de mon Depop, comme ça, ce sera plus simple. Donc ça, c'était pour le Pop-Up Store. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux faire une autre vidéo dessus. Voilà, vraiment, n'hésitez pas.
Ensuite, je suis partie en vacances et c'était super avec ma famille et tout ça. Donc ça, c'était trop bien. Ça m'a fait bien de me reposer. J'ai pu voir plein de choses. Ça m'a donné plein d'inspiration pour des projets et tout ça. Donc vraiment, j'ai hâte de recommencer la couture. Là, j'ai plein de tissus en stock de reste de mon pop-up store et tout ça. Donc j'ai vraiment envie de faire plein de choses. J'ai envie de... Enfin, vous verrez tout. Peut-être de créer mes propres patrons et tout ça, vous les proposer peut-être aussi, donc voilà. J'ai évidemment envie de continuer de vous montrer comment consommer de manière éco-responsable, donc vous montrer ce que j'arrive à acheter sur Vinted, en friperie, vous donner des tips si vous avez besoin de conseils et tout ça, mais vraiment n'hésitez pas à poser des questions, etc. Et donc là, pour mes projets cette année, bah donc je continue la fac et je continue de travailler sur mon frère. Donc pareil, j'ai pas non plus énormément de temps, mais je vais quand même poster une vidéo par semaine à partir de celle-là. Donc j'ai celle-là, j'ai qui arrive très bientôt du coup une vidéo makeover de ma chambre avec mon copain qui m'a construit des meubles et tout. Donc vraiment, voilà. J'ai racheté des meubles de seconde main, je vous expliquerai tout, je vous dirai où est-ce que j'ai trouvé tout, etc. Et donc du coup cette vidéo elle va être marrante je pense, parce que vous allez voir le cheminement et tout ça. On a fait ça en une semaine à peu près, mais on a vraiment tout changé, j'ai fait beaucoup de tri, j'ai donné beaucoup de vêtements, voilà, donc ça va être marrant je pense. Je vais faire aussi une vidéo avec des vêtements de seconde main, une vidéo vêtements d'automne avec que des vêtements de seconde main. Je vais peut-être vous faire un haul de rentrée des classes aussi, parce que j'ai fait des petites courses de rentrée, j'ai acheté plusieurs trucs parce que je suis retournée à Londres, donc j'ai acheté plusieurs trucs dans des friperies à Londres, voilà. Mais j'ai plein de projets mode, plein, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous si ça vous aimeriez de voir mon makeover de chambre et tout ça. Abonnez-vous. Et voilà, pour suivre, quoi, mettez la cloche de notification et comme ça vous raterez rien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que j'ai d'autres projets? Je vais vous mettre aussi, je pense, enfin, je vais essayer de faire des vidéos avec les restes de ce que j'avais, parce que j'avais prévu de poster plein de vidéos cet été, des vidéos, des tutos de tie and dye, des vêtements que j'ai portés cet été en tout seconde main et tout ça. Donc je vais essayer de récupérer les vidéos que j'avais, que j'ai pas perdues, et peut-être que je vais les poster quand même. Mais là j'ai des vidéos plutôt rentrée des classes, automne, hiver qui vont arriver. Mais voilà, en tout cas si ça vous a plu aussi une vidéo où je vous parle, où je vous raconte un peu mes projets et tout ça, c'est pas hyper structuré, c'est la première fois que je fais ça, mais voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas, vous pouvez aller me suivre sur Instagram aussi, j'ai un Instagram où je mets mes trucs de couture et tout ça, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse, voilà, donc mon Depop, mon Insta. Et je vais vraiment poster une vidéo par semaine à partir de maintenant, comme je faisais avant, avec des trip flips, des vidéos couture où je fais de A à Z, des vidéos haul, try on, etc. Et voilà, et de temps en temps des trucs comme ça, des DIY ou des trucs. Mais tout pour pouvoir consommer de manière plus responsable, parce que je pense que c'est important, il y a de plus de gens qui le font et c'est super. Et du coup, si je peux faire partie de ce mouvement, et bah, tant mieux quoi. Et c'est aussi grâce à vous et grâce à ceux qui s'abonnent, et donc je vous encourage à continuer aussi. Et voilà.